Riquier? Oui, monsieur, joyeux Noël. Excusez-moi de vous déranger, hein. Oh, mais monsieur, vous ne me dérangez pas du tout. Je suis là pour vous écouter. Eh bien, je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien, non, monsieur. Non, justement, vous n'êtes plus. Toute l'équipe de Détresse Amitié est là qui vous écoute. Alors, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir, monsieur? Ah non, ça, monsieur, je regrette, ça n'est pas possible, non. Par contre, peut-être avez-vous de la famille avec qui passer la soirée, monsieur? Oh, eh bien non, mes parents ne veulent plus voir, je suis brouillé avec eux. C'est cela, oui. Êtes-vous marié? Oh, ben, je l'ai été, mais j'ai divorcé, je ne supporte pas, je c'est peut-être avez-vous des amis ou des relations avec qui passer la soirée, monsieur? Oh, si, si, j'avais un ami. Mais il a déménagé. Et comme je ne suis pas motorisé. C'est cela, oui. Et bar tabac, à tout hasard, qui fait réveiller en face de chez vous, monsieur? Ben, je ne suis plus. Eh bien alors, confiez-vous à nous. Nous sommes là pour vous écouter. Voilà, c'est très simple. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment, monsieur. Oh, si, si, vous me parlez en ce moment, monsieur. Je ne reçois jamais de courrier, pas de relevé de banque. Jamais un coup de fil. Je n'existe pas. C'est cela, oui. Allô? Allô? Allô, monsieur? Monsieur, ne vous laissez pas aller. Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Allô, monsieur, nous sommes là. Allô? Monsieur, est-ce que je pourrais passer pour voir ce soir? Non, monsieur, ça, je vous l'ai dit, ce n'est pas possible. C'est une règle que nous nous sommes fixées et la transgresser, je ne peux pas. Mais juste un petit instant. Non, non, non. Mais je vous prête tout petit, je me mettrai dans un petit coin. Non, il n'y a pas moyen, non. Oh, mais je ne prendrai pas de place. Oh, je vous donnerai même un coup de main. Mais écoutez, monsieur, vous devenez désagréable maintenant. Mais je vous en supplie, monsieur. C'est Noël, tout de même. C'est au 18 des Lombards, 4e étage gauche. Merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse. Je suis désolé. Il m'a dit que c'était Noël. Je n'ai pas pouvoir te refuser. Oh, mais ne vous reprochez pas, Pierre. J'en aurais fait autant. Et puis vous avez vu comme moi les rapports du Six-Sous. Dans certains cas extrêmes, c'est à vous. Justement, Thérèse, justement, ce n'était pas un cas extrême. Si vous voulez, j'ai été faible et lâche. C'est un échec. Je me boufferai dans les yeux. Attendez, laissez-moi rattraper. Allô, Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô, Kyoxixo? Oui, monsieur, joyeux Noël. Oui, joyeux Noël, monsieur. Merci, monsieur. Je suis en pleine forme. Je vous appelle plein d'espoir parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir en 2 mois. C'est cela, oui. Et comme c'est mon dernier Noël, j'aimerais bien de passer en compagnie d'une femme, voyez-vous. Bien, écoutez, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous me donnez là. Je vous passe tout de suite ma collaboratrice. Allô, monsieur? Joyeux Noël! Comment vous appelez-vous, ma fille? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse! Je te prends, je te retourne, je te mets! Arrêtez ça! Arrêtez ça! Dieu, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous a jamais intéressé! Oh, tu ne vas pas finir! Mais non, mais... Il va encore débloquer la ligne de ta soirée. Eh bien, vous lui souhaitez l'animation, bien, alors là, c'est zéro fil, hein. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. C'est la date de ma cousine, Jeannette. On n'a fait des pas de visite, Jeannette. Enfin, bien, c'est Noël. Ah non, c'est monsieur Brescovitch. Bonsoir, monsieur Montel. Vous allez bien? Bonsoir, madame. Comment allez-vous, madame? Ça va, ça va. Je suis pas sûr que vous êtes à Noël. Je vous ai apporté un cadeau de mon pays. Oh, je suis confuse. Mais c'est que nous, on n'avait rien prévu du tout, Pierre. Pour vous, non. Écoutez, comprenez-vous, moi je ne vous ai plus depuis 15 jours, je croyais que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Oui, mais j'ai pas vu. J'ai pas bougé. Eh bien, on ne vous entend même pas marcher là-haut, monsieur Prescovitch. Tellement vous êtes distrait. Oui, mais vous savez, j'ai dû partir, alors je vais débattre. Ah, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est...
chicha. Un quoi? Un chicha. C'est un chapeau folklorique. L'ordinaire, ça se porte sur le côté, mais pour les jours de fête, on le porte en arrière. Pour la joie, bien sûr. Ah, bon, alors... Ça me va très bien, Thérèse. Ça me va très bien. Ça va bien, hein? Parlez-en, parce que, normalement, c'est pour les hommes. Ah. Mais alors, c'est plutôt bien de le porter. Alors, c'est le chéchard, n'est-ce pas? Oui. Il y en demande rien, tu penses que oui, tu penses? Ah non, c'est égal. Ah oui. Et quand on demande rien, c'est pour la joie. Oui. Bon, eh bien, c'est très amusant, hein, c'est agréable. Ah, bah, le bonbon, là, c'est un tout petit peu agaçant. Hein, bon, eh bien, écoutez, monsieur Boscovic, on est très content que vous soyez passé par un petit bonjour. Hein, et comment on va vous faire un petit endroit. Mais je vous ai apporté aussi des chocolats. Ah, écoutez, monsieur Boscovic, on va vous gronder, hein. Bon. Je vais l'agoniser par devant moi. Vous n'écoutez pas, madame Thérèse. Ah, si. Si, si, si. On va l'écouter, n'est-ce pas, Pierre? Ben oui, bien sûr. On va des choses, quand même. Oui. Ah, à bonheur, Pierre. Mesdames d'abord, Thérèse. Bien, c'est choisi, hein. Je me suis permis de reprendre que ça. Mais servez-vous, monsieur Boscovic. Non, j'ai déjà pris. Non, c'est pour vous. Non, j'ai déjà pris, moi. Ah bon? C'est vrai qu'on ne sait que choisir, hein, Thérèse. Normalement, ça se déguste avec la cheveux et tout. C'est une liqueur de montagne. C'est une coutume? Non, non, c'est une liqueur. Oh!
qu'est-ce qui vous attend là? Ah, c'est Félix! Félix, c'est mon fiancé. Mais oui. C'est celui qui a eu l'enfant? Bah non, c'est mon nouveau fiancé. Ah. Non, je vais te faire ça. Mais enfin, je peux pas me calmer, Thérèse! Il part en dehors avec ton gourdage, ce con! Tu sais qu'il a essayé de me faire passer par le vide-ordure. Alors, bah, moi, j'ai pris mon quartier, je fais mes parties entre un vitage, hein. Mais on peut pas prendre le bus avec le quartier, c'est tu alors, depuis l'entrée, bah, je courais avec le quartier, moi, comme une dingue, là, comme ça. Mais il a quand même bon choix. Sérieusement, hein. En plus, il est très énervé, hein. À peu près, choc, moi. Et il va pas venir ici, quand même. Mais si je te dis, il a bien fait d'en face, monsieur Mortez. Allez, viens, allez, fais deux mois. Oh, mon Dieu, il va pas, je t'en supplie, il va pas, c'est dangereux. Très bien, on va y aller, hein. Je peux pas venir avec vous. Et puis, si c'est un parc vraiment gourdin. Mais fais attention, il a des pouvoirs, hein. Bon, moi, je vais appeler la police, c'est pas vrai. Allô, la police? Si tu avances, quand je recule, comment veux-tu, comment veux-tu que je recule? Mais qu'est-ce que c'est, dis-toi? C'est pas terrible. C'est pas court. Sapeur-pompier. Oh, mais c'est